young men. Mon règne achève. Je trouve que j'ai eu une vie extraordinaire sur le plan professionnel. C'est fabuleux tout ce que j'ai vécu. Et moi, je suis dans la reconnaissance pour ça. Ma génération a fait la révolution technique puis la révolution d'attitude à l'intérieur de l'ONF. Puis c'était la révolution tranquille qui commençait. Puis quand Gigot faisait Golden Glove, découvrir qu'il y avait un jeune noir qui était un apprenti boxeur de talent qui vivait à Montréal, ça faisait partie pour les Québécois de la découverte de c'était quoi le Québec de cette époque-là. Donc on a été portés par cette vague-là pendant plusieurs années. Plus tard, le climat avait comme changé. On commençait à faire des films avec d'autres interrogations. Et l'expérience du tournage dans ce que j'ai appelé un cinéma de relation, ça a été cette découverte de comment, quand des cinéastes rentrent dans une réalité, ils transforment la réalité. Offrons-nous de nos vies. De nos amours, car la vie n'est pas finie. Les gens sont transformés par le fait qu'un film est fait dans leur milieu. En un seul jour. Moi, j'avais aucune maudite intention de changer Saint-Jérôme. Je faisais un film d'observation. Là, j'ai pris conscience que je pouvais être un agent de changement. Puis je faisais des films qui exprimaient une plainte sociale intense. Mais moi, ma vie intérieure, c'était pas ça. Je me disais, il y a comme un mensonge dans mon affaire. En tout cas, je ne me sentais plus capable de faire un autre film de type social comme celui-là. Que faire s'amour me laisse. Je parlais pas au fond de l'âme. Je parlais pas de ce qui est vécu personnellement. J'avais comme un besoin de m'intérioriser puis de parler plus des dimensions culturelles plus profondes, plus générales pour le Québec. Me souviens de mon ami. Maman, est-ce qu'on peut aller en chaloupe maintenant? Alors, à travers des personnages, j'ai commencé vraiment à traiter de l'âme québécoise. Et puis la chance est arrivée. Tout à coup, on m'a proposé d'écrire pour la télévision un téléroman. Je suis entré tout naturellement dans l'écriture dramatique. Puis là, j'ai écrit le Parc des Braves. Puis j'ai continué ça ensuite d'un fil de Caleb. Désormais, ce qu'il faut que je cherche puis que je trouve, c'est des moyens de continuer à créer